Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous entamons une nouvelle semaine, lundi 14 au dimanche 20 août 2023. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Alors nous allons continuer avec le tarot de Marseille. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Alors, je vais me répéter, le tarot de Marseille n'a pas la science infuse, mais il peut vous aiguiller sur une problématique que vous rencontrez présentement, un questionnement, une difficulté, une réponse, enfin voilà. Donc, vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Je vous laisse un moment pour choisir votre carte. Soyez bien à l'aise pour choisir votre carte. Posez votre question avant de choisir. Et puis, pour choisir votre carte, quelle est la carte qui vibre pour vous? La 1, la 2 ou la 3? Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, j'ai pigé la roue de la fortune à l'endroit. Oui, le changement est bien là. Le calme après la tempête pour certains d'entre vous. Vous voyez enfin le bout du tunnel et vous allez commencer un nouveau cycle de vie en laissant derrière vous une partie de votre passé. Vous avez peut-être traversé une période très difficile durant laquelle vous n'arriviez plus à regarder au-delà de votre chagrin et de tout votre tracas quotidien. Vous arrivez à un tournant important de votre vie. Oui, de nouvelles décisions vont probablement émerger de cette instabilité vécue. Cette obscurité que vous avez vécue, a remis les choses à leur place. Et cela va vous aider à vous projeter vers une autre façon d'appréhender la vie. Tout compte fait, cela vous a permis de prendre de la hauteur, retrouver vos rêves. Car vous savez, surmonter des difficultés, amène toujours un autre point de vue libérateur et créateur. Et c'est ainsi aussi que vous avez pu vous reconnecter avec vos propres croyances, votre foi. Et aujourd'hui, vous vous sentez peut-être plus fort, prêt à soulever des montagnes et à vivre en étant capable de regarder les ténèbres face à face sans en avoir peur. La lutte entre l'ombre et la lumière existera toujours, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la lumière est en train de gagner du terrain et sur le monde entier. Les vérités ne seront peut-être pas toutes bonnes à entendre, mais nécessaire pour terminer ce cycle et retrouver nos libertés. Donc, vous avez lutté contre l'ombre, la lumière, deux choses qui existeront toujours, n'est-ce pas? Et la lumière l'emporte aujourd'hui. Quel beau travail vous avez fait sur vous, de ce que vous avez vécu, parce que, encore une fois, vous êtes ici en expérimentation, vous expérimentez, vous êtes ici revenu sur Terre pour expérimenter, pour
améliorer les qualités et les vertus, pour transcender les distorsions humaines que vous avez présentement et les distorsions humaines que vous avez eues dans vos autres vies. Alors, question professionnelle. Eh bien, cette carte, la roue de fortune, met l'accent sur les hauts et les bas, sur vos succès et vos flops. Et oui, dans votre environnement professionnel, il est temps de prendre un peu de recul, d'analyser la situation et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ça doit vous servir de leçon, les erreurs du passé. Alors, si vous êtes plutôt dans une phase de succès dans votre travail, prudence, la roue pourrait tourner, vous pourriez commettre une erreur. Le contexte favorable pourrait changer, n'est-ce pas? Attention, n'attendez pas d'être tout à fait en haut de la roue pour anticiper un changement de fortune. Et à l'inverse, si vous êtes dans une phase difficile, eh bien, il est temps de remettre l'accent sur les dossiers bien gérés, vos succès professionnels qui ne sont pas si loin, afin de vous remettre, eh bien, dans une bonne dynamique. Pour ceux et celles qui cherchent du travail ou une opportunité, eh bien, la roue de fortune annonce un grand changement. La chance va enfin tourner. Eh oui, vous avez été patient, vous avez enduré. La chance va enfin tourner. Une opportunité va enfin se présenter à vous. Et il s'agit de laisser entrer, eh bien, ce changement dans votre vie. Sans crainte, parce que ça sera salutaire pour vous. Côté sentimental, eh bien, pour ceux et celles qui cherchent l'amour, cette roue de fortune indique un tournant positif. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres. L'âme sœur ne va pas sonner à votre porte, n'est-ce pas, avec un bouquet de fleurs à la main? Alors, il faut prendre votre courage à deux mains, il faut sortir. Il faut faire quelques efforts aussi de votre côté hein, pour que le destin vous amène au point de rencontre. Parce que si vous restez enfermé dans vos quatre murs, ben, ça ne va pas venir à votre porte, sonner à votre porte, n'est-ce pas? Donc, on vous demande de faire un petit effort là. Hein. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, cet arcane indique que votre relation est cyclique, c'est-à-dire des hauts, des bas, des ruptures et des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec votre partenaire. Et on peut le dire, cela vous épuise. Et ça vous épuise à longueur de journée, de jours, de semaines. Le point de rupture est peut-être atteint, n'est-ce pas? On vous invite à ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. Mettez-vous à une table et communiquez, dialoguez. La relation peut encore se remettre sur des rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et qui travaille à ce changement. Et il faut encore qu'il y ait l'amour entre vous deux, n'est-ce pas? Donc voilà pour la carte numéro 1. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. Je vous souhaite aussi une excellente semaine dans la joie, le rire. Vous savez, le rire, je répète, hein, c'est bon pour les zygomatiques. Hein. Donc voilà,
D'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse. À tout bientôt et à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé le diable à l'endroit. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un processus de nettoyage. Vous avez peut-être besoin de vous libérer en approfondissant vos parts d'ombre et vos addictions. Peut-être que vous êtes addict à différentes choses, des stupéfiants, cigarettes, addict à l'amour, addict aux médicaments, à la drogue, à l'alcool, etc. Alors aujourd'hui, eh bien, il vous est proposé de vous libérer de vos chaînes que vous traînez derrière vous, afin que vous puissiez marcher librement. Aussi peut-être, vous devez vous libérer d'une relation toxique qui vous tire vers le bas, peut-être d'une addiction quelconque, d'un mode de fonctionnement, eh bien, qui vous rend prisonnier. Car vous y perdez votre temps, vous y perdez votre énergie, votre amour. Cette dépendance peut vous permettre peut-être de vous sentir exister en comblant un vide intérieur, un manque de confiance en vous, mais vous pouvez vous y perdre et ne plus vivre dans votre réalité avec cette dépendance. Alors vous savez, nous sommes toutes et tous manipulés par cette envie d'exister. Et nous pouvons aller jusqu'à nous mentir à nous-mêmes pour ne pas voir ce qui nous fait peur. Peut-être que c'est votre cas. Cette carte incarne l'illumination obscure. Elle incarne le choix, elle incarne la volonté de guérir. Aujourd'hui, on vous invite à fouiller en vous pour trouver vos parts d'ombre et les mettre en lumière sans jugement. Ne vous jugez pas. Mettez tout ce qui est sombre en lumière. N'oubliez jamais que vous êtes revenu ici sur Terre pour expérimenter. Vous avez peut-être expérimenté des choses qui n'étaient pas bien. Donc ne soyez pas trop dur avec vous. Vous savez, vous êtes libre de guérir de tout. Il faut juste que vous repreniez le contrôle de votre vie. Et si vous le désirez, vous y arriverez. Côté professionnel, cet arcane indique que vous vous sentez englué dans votre poste actuel ou dans votre activité, alors que vous aspirez à d'autres responsabilités, à un autre cadre. Il est possible que les choses se passent mal au travail. Pour certains d'entre vous, que vous ne voyez plus l'intérêt de votre mission et que les choses, eh bien, n'aient plus beaucoup de sens. Il est possible également, eh bien, que vous soyez trop investi dans votre vie professionnelle au détriment, eh bien, de votre vie de famille, des autres domaines de votre vie. Alors, gagné par l'ambition et l'envie de réussir, oui, mais
Vous avez sacrifié votre temps et votre énergie pour réussir. Et là maintenant, présentement peut-être, vous trouvez-vous actuellement proche du burn-out. Il est temps de prendre du recul sur les choses, trouver un autre travail, tout en restant dans votre activité actuelle, en conscience, diminuer votre investissement dans le domaine professionnel. Tout cela, vous savez, est possible, à condition de choisir en toute connaissance de cause. Vous devez peser le pour et le contre de ces scénarios et décider librement, sans que les autres décident pour vous. Côté sentimental, le diable exprime le plus souvent le côté sombre de l'amour, l'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance amoureuse. Alors prudence. Prudence, si vous cherchez l'amour, l'énergie du diable se manifeste chez vous ou chez votre partenaire ou votre conquête. Les rencontres peuvent se montrer sans lendemain et se multiplier. Si l'idée est d'explorer vos désirs, ces rencontres peuvent vous donner satisfaction, mais pas à long terme, n'est-ce pas, à court terme. Si vous cherchez une relation profonde et durable, eh bien, il vous faudra certainement vous y prendre autrement. Ne pas butiner, pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes en couple, le diable vous questionne sur ce qui vous a rapproché de votre partenaire, sur les circonstances dans lesquelles, eh bien, le couple s'est formé. Un manque de confiance en soi peut précipiter une histoire entre deux personnes, n'est-ce pas, qui n'ont en réalité, eh bien, pas les mêmes aspirations ou le même projet de vie. Le diable interroge sur la nature du lien. Le couple est uni, mais l'est-il pour les bonnes raisons ? Les partenaires sont-ils en phase ? Sont-ils heureux ? Posez-vous cette question. Êtes-vous heureux, heureuse, présentement ? Je vous souhaite une toute belle journée, une excellente semaine. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien j'ai pigé l'impératrice à l'envers. C'est la première carte depuis ce début de mois que je pige à l'envers. Et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice inversée, elle signifie que pour certains d'entre vous, il va y avoir un contretemps, ou du moins un ralentissement qui pourrait entraver momentanément, n'est-ce pas, vos actions, et cela vous empêchera de tirer parti de vos atouts intellectuels et émotionnels. Cependant, pour surmonter cet obstacle, eh bien, on vous demande de bien analyser les choses. Pour quelles raisons il y a eu ce blocage ? Et on vous demande surtout d'apprendre à faire confiance à vos qualités personnelles. Faites-vous confiance. Alors cela peut signifier aussi pour certains d'entre vous que vous êtes trop autoritaire. Oui, vous avez une façon qui est trop autoritaire. Et parfois, eh bien, au détriment des autres, voire au bon sens. Vous savez, l'arrogance n'est pas
le meilleur moyen de tracer votre route, n'est-ce pas? Même si cette route est parsemée d'embûches, bien au contraire, c'est le meilleur moyen de s'attirer des foudres de son entourage. Travaillez votre ego, c'est important. Alors l'action pour l'action ne donne aucun résultat. Ce qui peut donner des résultats, c'est une démarche constructive qui doit nécessairement reposer sur des connaissances éprouvées. La réflexion, n'est-ce pas, et les expériences que vous avez vécues, de ne plus commettre les erreurs du passé. Alors, voilà, ça veut bien dire cette impératrice, on vous demande d'analyser les raisons de ce blocage, de faire attention davantage que vous soyez, que vous vous faites confiance, vous faire confiance davantage, voilà. Et ne pas avoir des excès d'arrogance pour remettre cette impératrice à l'endroit, n'est-ce pas? Alors, côté professionnel, alors, cette impératrice est peut-être pour certains d'entre vous une invitation à réfléchir aux raisons qui vous font penser que, eh bien, que vous végétez à votre travail. Pourquoi végétez-vous à votre boulot? Alors, cela peut être dû à un manque d'assurance que vous avez en vous, à une absence d'investissement personnel, voire tout simplement de l'ennui. Vous vous ennuyez. Alors, cet arcane peut également vous rappeler que le poste à responsabilité ou de communicant que vous occupez pour certains d'entre vous ne correspond pas à votre personnalité conciliante ou réservée et donc à faire le point sur vos désirs professionnels. Il est grand temps à l'heure actuelle, présentement. C'est la seule façon, n'est-ce pas, pour vous de vous épanouir sur votre lieu de travail dans la mesure où une reconversion est envisageable. Mais mettez votre arrogance sur le côté. Ça, c'est là, vraiment ce qui ressort de l'impératrice à l'envers. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Il faut écouter vos capacités. Il faut écouter vos motivations profondes. Quelles sont vos motivations profondes? Alors, il y a de toute façon un manque d'assurance en vous. Il y a un manque d'investissement personnel. Il y a de l'ennui. Et ça, ce sont des choses qu'il faut rectifier, n'est-ce pas? Et moi, je terminerai par vous dire, croyez en vous et en vos motivations. Côté sentimental, eh bien, cet arcane rappelle que votre comportement parfois superficiel et votre absence d'intérêt pour les autres qui vous entourent, le monde qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, eh bien, cela vous renvoie une image déformée de vous-même aux autres et celle d'une personne égocentrée. Est-ce que vous l'êtes? Non, c'est peut-être une carcasse que vous montrez. Cette lame vous suggère de provoquer le contact, de mettre de côté, eh bien, vos a priori, et d'être à l'écoute des autres pour vivre des échanges enrichissants. Cet arcane aussi, pour certains d'entre vous, peut traduire un comportement qui manque de franchise et peut-être la tentative de vous faire passer pour quelqu'un d'autre.
Cet arcane vous suggère que l'authenticité et la sincérité sont beaucoup plus payantes pour les relations aux autres dans la recherche du bien-être et de la satisfaction. Vous savez, chasser le naturel, il revient vite au galop. Hein? Alors, cet arcane, elle vous dit, comportement, vous avez un comportement superficiel. Il y a un manque d'intérêt pour les autres et le monde qui vous entoure. Il y a de l'égocentrisme, il y a un manque de franchise, de l'affabulation qu'il y a aussi. Si vous traversez des difficultés maintenant pour ceux et celles qui sont en couple, l'impératrice conseille de renouer le dialogue. La franchise et le respect sont nécessaires, ainsi que l'empathie pour chacun de vous. Il est temps que vous vous ouvriez un à l'autre, exprimez ce qui ne va pas et de faire votre maximum pour comprendre le point de vue de l'autre. Encore une fois, je vais encore me répéter, la communication est très, très, très importante. Le dialogue. Voilà pour cette carte numéro 3. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et à très vite.